city is covered in snow tonight. Where did my love go? Santa, I'm waiting for him, but he's nowhere inside. And all of the presents are still by the tree. Lazare a super faim, donc on va commencer par son petit déj. Donc là, je lui ai décongelé un pancake à la banane que j'ai coupé en deux, des petits morceaux de kiwi, du yaourt à la grecque et un peu de purée d'amandes coco. C'est celle-ci que j'achète sur Casidomi, c'est une tuerie, c'est trop trop bon. Et voilà, je vais lui donner ça parce qu'il a trop faim, ce petit tastico qui est là. La journée a commencé très tôt ce matin, presque. Un peu trop tôt, je dirais, à 6h30, alors qu'hier j'ai eu du mal à m'endormir en plus. C'est pas parce que moi j'ai team flippette en fait, donc j'aime pas trop, enfin je suis pas habituée en fait à dormir toute seule, j'aime pas trop dormir toute seule. Et dans ce moment là je m'endors plus tard parce que je sais pas, j'étais sur mon tel, oula j'étais floue là, bon peu importe, c'était pas très intéressant ce que je disais, mais du coup j'ai fait une nuit courte en plus, Lazare s'est réveillé plusieurs fois. Donc lui, il est tout beau, tout bien habillé. Moi, je suis en pige. Je viens de me couper le doigt. Bref, pas important non plus. Mais je suis en pige avec cette espèce de moumoute que j'ai depuis 1000 ans. Qui vient de chez Etam. Je sais pas, on a eu une période comme ça. Une époque où avec mes cousines, ma soeur et tout, on était trop fans des pyjamas de Noël de chez Etam. Qui étaient tout douille-douille avec ce genre de polaire... et je l'ai encore, en fait elle est tellement chaude et chaque année je me dis j'aimerais bien trouver un truc plus joli qui soit chaud mais plus joli, et en fait j'ai encore ce truc là qui me tient bien chaud là, parce que ça y est il fait bien froid et chez nous on chauffe pas trop, on aime bien dormir la nuit quand il fait frais et être sous des bonnes couvertures. Bon du coup moi là je vais me faire mon petit déj, je pense qu'on va appeler ma maman, donc la mamie de Lazare, pendant que je petit déjeune, comme ça va l'occuper, parce qu'en ce moment il est pas très intéressé par sa joie mais vraiment plus par le lave-vaisselle et tout ce qu'il y a autour. Oh non Lazare, on lance pas le lave-vaisselle mon chat, tu tournes pas ça, d'accord? Bon, et je vais aller le changer je crois, du coup je vous retrouve un peu plus tard. Je suis là mon petit cœur. Bon, du coup, je vous ai mis ici dans un petit coin. Je suis allée, chercher Lazare. En fait, il s'est levé du coup très tôt ce matin. Et je l'ai recouché vers 9h. Et il a dormi un peu plus d'une heure. Une bonne heure. Moi, j'ai une tête de fatiguée là, c'est horrible. Donc là, on est... je suis direct allée... pendant qu'il dormait, j'ai pris une petite douche. Rapido. Et là... je suis allée le chercher, je l'ai rhabillé et tout ça. Enfin rhabillé, je lui ai mis ses chaussures, sa veste et tout. Moi je me mets mes crèmes rapidement, je me suis brossé les dents. Non, pas les prises mon chat. Pas les prises. Aïe aïe aïe, ça fait mal, il faut pas toucher aux prises. Regarde, je t'ai mis ça là-bas là, pour t'occuper. Du coup, je vous embarque dans la petite routine en même temps. Je me suis lavé le visage sous la douche. Là, j'ai mis l'eau florale démo. Hop. Pour parfaire le nettoyage, là, je viens de mettre le sérum bon. C'est toute la gamme soin de soi. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur mon compte Insta, je vous la remettrai en description. Où je vous partage ma routine, justement. Oh là là. Mais t'es un petit cascadeur, toi. T'es un petit cascadeur. Il était monté sur le lit. Ah là là, je me perds. Du coup, je vais mettre ma crème hydratante, la Hydra. Je squeeze l'étape pierre, roller face, machin. J'admire vraiment toutes les mamans solo parce que moi, je suis quand même habituée à ce qui est Romain à mes côtés le matin, le soir, qui peut me... qui m'aide énormément en fait, enfin qui m'aide, qui prend à cœur son rôle de père et qui est très présent.
Et là, c'est vrai que quand je suis vraiment toute seule, je trouve que c'est pas facile. Surtout quand les nuits ont été hachées, courtes, le réveil matinal, qu'il faut se préparer en même temps qu'on surveille. Oh là là. Vous allez vous dire que je passe mon temps à aller le retirer des trucs, mais il est passé de la prise à escalader le lit à le piège à fourmis, puisqu'on avait eu des fourmis, mais c'est hyper toxique ce truc. Bref, ma chambre, oh là là, il est de nouveau sur le lit. Bon, je vous... Oh, dis donc, coquinou, tu vas tomber. Tu vas tomber du lit. Allez, on y va. Je vous laisse, je vous retrouve plus tard. Je vais à grands frais faire des courses. Je vous ferai un petit retour de course quand on en revient. Allez, on y va. On est parti. Tac, tac. Bon, j'ai trouvé un nouveau spot. C'est au-dessus de mon extracteur à jus. Pas mal, comme ça change de vaisselier. Je viens de rentrer de chez Grand Frais. Je me suis dit que j'allais faire un petit retour de course. Ça pourrait être sympa. J'avais presque plus de fruits et légumes, surtout en base et tout ça. Il me restait pas mal de choses. C'est pour ça que j'ai pas eu besoin d'aller à Intermarché. Mais j'ai pu aller à Grand Frais parce qu'ils n'ont pas tout ce qui est papier toilette, produits ménagers. Mais ça, j'en avais pas besoin. Hop, attention les doigts. Donc là, je vais mettre de l'eau à bouillir parce que le repas de Lazare est presque prêt. Il va manger une fin de gratin de chou-fleur d'hier. Et là, je vais faire cuire hyper rapidement de la semoule d'épeautre. C'est trop bien parce que c'est très rapide. Je fais chauffer de l'eau et je le mets dessus avec un filet d'huile d'olive. Et en 5 minutes, c'est prêt. Donc on va manger ça, mon loulou. Ça sent les égouts chez nous là, c'est horrible. Je pense que c'est la douche là-bas. Ça pue et j'ai envie d'aller aux toilettes. Je sais pas si les mamans par ici vous êtes pareil, mais à chaque fois, j'en arrive au dernier moment d'aller aux toilettes, au point de plus pouvoir me retenir. En fait, je trouve que c'est sport avec un bébé d'aller aux toilettes. Enfin, surtout à l'âge de Lazare où il se déplace quoi. Donc à chaque fois je repousse, donc je procrastine même le fait d'aller aux toilettes si vous voulez. Donc, mais bon, c'est mon problème, ça agace Romain qui à chaque fois me dit mais en fait c'est une prio, donc va faire pipi et basta, ce sera fait, on passe à autre chose. Mais moi j'ai un peu du mal à chaque fois à me l'imposer. Ah mais il a plus qu'un chausson, ce petit coquin. Bon, on fera le retour de course après, on va manger parce que tu as très faim et je vous reprends tout à l'heure dans la suite de la journée. Et donc là, on a la fin du gratin de chou-fleur, de la semoule d'épeautre et de la sardine. J'ai ajouté un peu de poivre et de muscade. Tiens, un petit peu d'eau, mon chaton, je vais chercher une cuillère. Lazare a fini de déjeuner. Moi, je viens de me faire un bowl comme ça avec des falafels qui viennent de chez Grand Frais. Elles sont très bonnes, je les adore, je les achète. Enfin, ça faisait longtemps que je ne les avais pas achetées, mais je les aime beaucoup. De la mâche. De la semoule d'épeautre, moi aussi, des groseilles, du fromage frais, j'ai mis des petites pousses comme ça, ça aussi je trouve ça chez Grand Frais, ce sont des graines germées, de l'avocat, et là je vais me mettre un assaisonnement, et ah ouais, j'ai un petit kiff en dessert, je vous montrerai tout à l'heure, mais je vais manger rapidos, et après je vais aller le coucher, et après je me poserai avec mon café et mon petit dessert. Ça va par ici, toujours dans mes tisanes. Après Pouka, c'est maintenant les deux marmottes. Et d'ailleurs, Lazare, il a mangé ça en dessert. Un brassé avoine banane myrtille. Et il a adoré. C'est un brassé végétal. J'aime bien la marque Vivio. Oh là là, ça focus pas du tout. Ouais, ça, c'était tout flou. Je disais, j'aime bien la marque Vivio parce qu'ils font pas mal de choses comme ça. Ça permet d'avoir des yaourts ou des brassés qui sont aromatisés mais sans sucre. Enfin, c'est vraiment toujours juste aux fruits et pas de sucre du tout. Et c'est ce que j'aime bien parce que Lazare, sinon, il mange que des yaourts nature, rien de sucré, rien avec des fruits. T'es fatigué mon loulou, il s'allonge par terre. Bon allez, je vous retrouve plus tard, il n'y a rien de très intéressant depuis le début de ce vlog, mais bon, ça vous montre un petit peu le timing, et là il est 13h20, donc bon, on a fait pas mal de choses au final pour l'instant. Alors je viens de déballer mes courses, c'est pas bien parce que depuis tout à l'heure du coup il y a le frais qui attend dedans, mais j'ai mis du temps à endormir Lazare là qui était épuisé mais qui luttait, bref, du coup je viens de finir de manger parce que j'avais pas fini de manger et du coup je vais ranger vite les courses. Du coup là dans toute la partie sèche j'ai pris plein de choses,
dont ça qui a l'air trop bon, du riz basmati à la noix de coco et au curry. Des petits carrés comme ça, c'est marrant, je les trouvais que sur Casidomi avant. Et maintenant, là, je les ai trouvés chez Grand Frais. Ce sont des bouillons cubes, mais qui sont sans sel, enfin qui sont hyper clean. Donc c'est top. J'ai pris du maquereau, j'ai pris de la sardine, il en a mangé ce midi, des noix de cajou crues pour ajouter un petit peu si je fais un curry de légumes, du lait de coco, de la pulpe de tomate, du sirop de date pour pouvoir sucrer les gâteaux de manière plus naturelle pour Lazare. Et à côté, plein de frais, j'ai pris des pavés de saumon, de la viande hachée, la flemme, j'ai pris des champignons déjà émincés, ils ont un rayon avec plein de légumes et fruits émincés. J'avoue que de temps en temps, je pioche un ou deux trucs dans ce rayon parce que c'est hyper pratique quand on n'a pas le temps. J'ai acheté des pousses d'épinards pour faire mes jus notamment aussi et de la mâche, un chou romanesco, je vais vous montrer après les fruits et légumes. Et là, j'ai pris des yaourts de coco, des yaourts de chèvre et des yaourts de brebis. J'essaye de varier pour Lazare pour pas qu'il ne mange que du lait de vache. Donc j'alterne du fromage blanc de vache, de la crème et du beurre au cristaux de sel pour les gâteaux et tout ça. Voilà. Bon, au lieu de m'énerver toute seule, je filme. Comme ça, ça me... Je sais pas, ça me fera relativiser ou le dire avec un peu plus de... de bonne humeur. Mais mon me time de Lazare qui est couché là, parce qu'il dort jamais longtemps. Donc clairement, j'aurais passé le temps de sa sieste à faire ça. J'ai une fuite, enfin un truc qui est bouché avec le frigo. Du coup, il y avait de l'eau partout. Du coup, je suis en train de tout éponger. J'ai dû tout sortir, enfin du coup mes courses j'ai pas pu les ranger, enfin bon, bref, voilà, je suis en mode rageuse toute seule pour un truc qui n'est absolument pas grave mais qui est trop relou. Bon, Lazare s'est réveillé 40 minutes après, j'avais pas du tout fini de nettoyer. J'ai des copines qui viennent avec leur bébé pour le goûter, donc je vais lancer une petite fournée de cœur fondant avec un peu ce que j'ai pour les bébés. Et puis nous, j'avais acheté du chocolat en fait, du coup j'ai pas eu le temps de me faire un café. C'était ça le kiff que je devais me faire pendant que Lazare était à la sieste. En fait j'ai pas eu le temps, donc je vais les garder et nous on aura ça avec du thé. Et eux, je vais leur faire des petits fondants sans sucre. Il me faut de la compote de pommes, j'en ai pas, donc je vais utiliser un pot de compote pomme coin de chez Baby Bio. Oui mon chou. Et voilà, je vais faire ça rapido avant qu'elles arrivent. C'est une recette qui est vraiment trop bien, à base de compote de pommes, de poudre de noisettes. Et en fait, à mi-hauteur, enfin là j'ai rempli les petits moules, je mets une cuillère de... Alors j'ai pas de purée de noisettes, mais je fais avec de la purée d'amande comme ça. Et ensuite je recouvre de pâte et ça fait des petits muffins avec un cœur coulant. Et Lazare, il les adore. Bon, et au final j'ai eu le temps, je nous ai fait pour nous les mamans une fournée de madeleine avec un cœur chocolat noir. Bon, c'est plutôt... healthy, mais il y a quand même du sucre dedans, donc comme ça les petits auront leur gâteau pour eux. Et bonjour! Sur tes livres, ton livre de Noël, il est où? La nuit a été chaotique, je pense que je vais prendre rendez-vous chez le médecin en début de semaine d'ailleurs, parce qu'il est tout pris, enfin, je voudrais vérifier qu'il n'y ait pas un début d'otite ou quoi. En plus on a des amis qui arrivent avec un bébé la semaine prochaine. Bref, mais il s'est réveillé à 7h45, donc bon, au moins... C'était pas 6h30 comme hier, donc ce matin j'ai pu un petit peu plus rattraper, on va dire. Je vais commencer par un petit jus que je vais faire avec lui, avec mon nouvel extracteur. Je vais faire pomme, carotte, gingembre, céleri, citron. Et tu vas m'aider, Lazare, à faire le jus, mon chat. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On épluche une première carotte. Toi, tu tiens la deuxième. On verra si on en a besoin. Et regarde, Lazare, on va la couper. Et on met dedans. On fait pareil avec la pomme. Oui. Oui. Carotte. On coupe la pomme, regarde. Et on met dedans. Je vais te préparer des morceaux et puis toi tu vas les mettre dedans. Oui. Regarde comme ça sent bon ça. On ferme ça. Alors ce matin pour Lazare, ce sont des morceaux de kiwi, une petite part de banana cake que je viens de lui décongeler, du yaourt de coco et du beurre de cacahuète. Oui, c'est chaud, je vais te le couper en petits morceaux, mon petit chat. Re-coucou, il est
10h45, je me retrouve encore avec ma tête de cul. Ce sera un vlog tête de cul de toute façon, parce que j'ai pas du tout le temps de me... Enfin, pour l'instant, en tout cas, j'ai fait passer en second plan le fait de me coiffer, de me maquiller, tout ça. Déjà, j'ai pu me doucher, c'est cool. J'ai pu m'habiller, c'est cool aussi. Après le petit déj, d'ailleurs le jus c'était un gros fail pour Lazare, j'ai mis trop de gingembre, donc moi je trouvais ça super bon, j'adore le gingembre, mais lui il a bu une première gorgée, et la deuxième gorgée il a recraché, donc on avait plein son petit foulard et tout ça, mais c'est pas grave. Là je viens de le coucher, il était fatigué, en même temps la nuit a été chaotique, donc même s'il a dormi jusqu'à 7h45, je pense qu'il était crevé de sa nuit. Sachant qu'hier il a fait des petites des mini siestes aussi. Du coup là je l'ai couché, je sais qu'il n'y en a pas pour très longtemps puisque ça va bientôt être l'heure pour lui de déjeuner ensuite. Du coup je me lance en cuisine, j'essaye de m'avancer un peu. Je suis en train de faire des frites de patates douces en regardant une petite vidéo YouTube pour avoir un petit peu un temps pour moi aussi. C'est à peu près rangé derrière, j'ai fait le switch du lave-vaisselle et tout ça. Donc on est à peu près bon, il faut que je lance une machine aussi après. Voilà, rien de foufou. Du coup hier je vous ai pas du tout repris, mais j'ai mes copines qui sont arrivées, donc quatre copines avec trois copines pardon, on était quatre avec quatre bébés, donc c'était trop sympa, ça les a bien occupés, ils ont bien joué ensemble, ça les a bien crevés aussi je pense, ils ont pris le goûter, c'était trop mignon. Et voilà, le coucher s'est très bien passé pour Lazare, il était HS. Sauf que ouais, après il y a eu plein de réveils, donc au final je me suis pas couchée tôt comme je le voulais, et j'ai pas trop pu me reposer, mais c'est tout, c'est comme ça. Romain rentre demain, et cet après-midi je vais voir une autre copine qui a aussi une petite qui a une petite fille, et voilà, on va y aller après la sieste de l'après-midi, enfin à voir comment ça se déroule, mais normalement on y va après la sieste de l'après-midi pour le goûter, donc voilà, ça va être cool. Si j'arrive à trouver le temps de me maquiller un peu, je vous embarquerai avec moi dans ma petite routine maquillage, histoire de parler un peu de d'autres choses aussi que juste les enchaînements là de tâches ménagères. Voilà, bon allez, je m'active et surtout je vais mettre ma petite vidéo YouTube. À toutes. Bon, il me fait une super sieste, il rattrape sa nuit. Je suis trop contente, j'arrive à bien avancer. Là je fais du poulet avec du sésame, du miel, de la crème végétale, du tamari, c'est ça, je l'achète sur Quasidomi, mais vous le trouvez aussi en magasin bio. C'est comme la sauce soja, mais c'est en plus healthy, enfin, c'est moins salé, ça a un goût un petit peu différent, j'aime bien. Et ouais, donc j'ai mis ça, du sésame aussi, et là à côté je fais un velouté. Je fais un velouté de carottes et j'ai utilisé ces petits carrés là que j'ai acheté chez Grand Frais, de légumes à la noix de coco, gingembre, coco, curry. Donc je pense que ça va être bon, ça va assaisonner un peu. Et j'ai mes frites qui sont au four, donc comme ça le déjeuner de Lazare sera prêt quand il va se réveiller. On a un petit bout qui est réveillé de sa sieste et qui se régale. Je vous retrouve en fin de journée, il est 17h45 je pense. Je suis rentrée de chez ma copine, j'y suis allée pour le café. Enfin, je vais enlever ce crin. Regarde, là tu as... Tiens, là mon chat, t'as que des trucs... Ah non, pas ça. T'as que de la vaisselle en plastique, t'as que des choses que tu peux retirer tout seul. On vide le lave-vaisselle. Du coup, on est allé chez ma copine en début d'après-midi pour le café. Vous me voyez pas bien. Et c'était trop cool, c'est trop bien parce que ça permet vraiment de couper, de voir du monde comme ça. Et elle a une petite fille, donc c'était trop bien pour Lazare. On a pris le goûter là-bas et j'ai vu qu'il commençait à fatiguer. Du coup, on est rentré et j'ai bien fait parce que je l'ai recouché vers 16h30. Comme quoi, nous, il n'y a vraiment pas de rythme ici. Vu qu'il a dormi, il a fait une sieste de ouf jusqu'à midi et demi. Je l'ai recouché du coup vers 16h30 et là, il a dormi une heure jusqu'à 17h30. Donc trop bien. Mais oui mon chat. Et là vers 18h je vais le faire dîner. Du coup mon dîner il est presque prêt puisque j'ai bien pu m'avancer tout à l'heure en cuisine, donc c'est trop cool. Et puis après on va enchaîner le rituel, etc. Je vais pas le coucher plus tard que d'habitude parce que ouais, j'estime que s'il a dormi tout à l'heure c'est parce qu'il était fatigué, mais ça ne décale en rien le soir.
Voilà, donc je sais pas trop la suite, ce qu'il en sera pour la suite de ce vlog. Sachant que je vous avais déjà partagé un peu ma routine du soir il n'y a pas très longtemps dans un, je crois, un ou deux vlogs précédents. Donc ouais, je vais vous montrer peut-être ce qui dîne, je vous reprendrai peut-être un petit peu plus tard. Moi ce soir j'ai des trucs à faire. Là j'avoue que dans la sieste je me suis posée le cul dans le canap. Oula, ben, ça plaît pas à ma caméra ça. Et ben je disais que je m'étais posée le cul dans le canap et que j'ai un peu rien fait, j'étais sur mon tel à ballot. Ah, c'est insupportable, je parle dans tous les sens en même temps que je surveille Lazare. Mais c'était une très bonne journée. Comme quoi parfois il y a des journées un peu sans où il dort pas et tout ça, et d'autres où il dort bien, et du coup tout le monde est de meilleure humeur, même si je suis un peu claquée moi à cause de cette nuit parce que j'ai pas redormi. Mais ouais, j'espère que ça va aller cette nuit parce qu'il est quand même bien pris du nez, on n'arrête pas de moucher. Donc j'espère que ça va aller. Enfin, je finis de vider de la vaisselle et puis... à toutes pour des infos peut-être un peu plus intéressantes. Mais au moins, je m'y serais tenue de vous avoir embarqué un peu dans mon week-end solo avec Lazare. Bon, je vous ai pas embarqué, j'ai mes copines et tout ça, les moments où c'était un peu plus... où ça changeait d'ici, mais bon. C'est vrai que j'avais même pas pris ma caméra, quoi. Bon, à plus tard. Ah oui, et si, évidemment, je ne me suis pas maquillée, rien. C'était soit j'allais vite chez ma copine, soit je me maquillais et tout, mais ça allait être trop long. Donc clairement, je suis allée comme ça. Enfin, on s'en fout d'ailleurs, on s'en fout de pas être maquillée, c'est juste que pff, je suis cernée et tout. Enfin, je préfère quand je me sens toute pimpante. Il escalade la vaisselle. Attends, Lazare, on va le casser là, mon chat. On va le casser. Bon, bah j'avais plus de place sur ma carte. Je disais juste, pas très intéressant, mais que je me suis quand même démêlée les cheveux avant de partir. Et en fait, j'ai toute une partie là en mode dreadlocks, puisque j'ai filé du Doliprane hier à Lazare. Parce qu'il avait trop mal aux dents et que au bout de X réveils, bref, je lui ai filé une dose de Doliprane et en fait, il m'a un peu, je sais pas, il m'a un peu balancé la pipette dessus et je me suis pris de Doliprane dans les cheveux, j'avais oublié cette nuit. Et donc là, j'ai tout un paquet de cheveux collés, donc voilà. Ah bah ouais, c'est horrible, c'est tout là. Donc il va falloir que je me lave les cheveux. Tu viens chercher les gnocchis avec maman dans le frigo ? L'eau elle boue, on peut aller chercher les gnocchis. Oh là là, tu marches bien. Regarde, on va là-bas chercher les gnocchis. Ouais, oh là là, tu es fière. Viens mon pépère, oh là là, tu marches bien. On ouvre le frigo? Tu viens mon chat? Tu viens mon chaton? Voilà le dîner de Lazare qui est prêt, qui a les petits gnocchis bien fondants. En plus, Lazare s'est coincé les doigts dans le tiroir pour chou, donc il y a les gnocchis un peu plus cuits, donc c'est parfait, ils seront vraiment bien fondants. Et la petite crème de champignons que j'ai fait tout à l'heure avec du parmesan et j'ai rajouté du persil. On fait tout pour avoir des défenses immunitaires au top cet hiver parce qu'on en a marre des petits virus. Donc c'est parti, je vais le faire dîner, il a faim. Lazare est couché, il s'est endormi nickel, c'était trop bien, c'était un petit amour, vraiment, enfin c'est tout le temps un petit amour, mais aujourd'hui, ce soir, enfin, trop bien. Je mange la même chose que lui, je me suis ajouté des noisettes que j'ai eu la flemme de concasser, donc je les ai juste mises comme ça, et j'ai ajouté du poivre et de la fleur de sel, puisque c'était pas du tout salé. Et voilà, je vais dîner tranquillou et j'ai des trucs à faire sur mon tel, donc je vais faire ça en même temps. Bon, il y a le lave-vaisselle qui tourne derrière, j'ai tout rangé, tout est clean, donc je suis contente. Je vous fais un petit aperçu, comme c'est un truc de dingue. Enfin, oups, 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 il reste de la vaisselle, mais c'est ce qui ne rentrait pas dans le lave-vaisselle, donc ce sera pour demain. Et du coup, je reviens à ce que j'étais en train de vous dire, il me reste une madeleine de hier. J'ai fait des, vous savez, j'ai fait des petits gâteaux pour les bébés et pour mes copines. Du coup, il restait une madeleine, donc je vais me la manger avec des groseilles, un reste de banane que Lazare n'a pas mangé. La fin de son yaourt aussi, chaque fois je termine les trucs et je vais me mettre une cuillère de noix de ciabatta parce que cette madeleine elle est nature, elle est foncée parce que j'ai utilisé du sucre complet mais elle est nature donc je vais mettre ça pour une touche de gourmandise et voilà je vais finir ce que j'étais en train de faire sur mon téléphone et essayer de ne pas aller me coucher trop tard. Bon, je vais aller me coucher parce qu'il est presque 23h, j'ai fini de faire ce que je voulais faire, oh là là le tapis il est dégueu. Ça ressort encore plus en caméra, c'est horrible. Avec l'ombre, c'est de la bave.
Non mais c'est ouf parce que ça se voit pas autant en vrai quoi. Là c'est vraiment horrible avec la lumière de la caméra, on dirait qu'il est immonde alors qu'en vrai ça va quoi. Je regarde par-dessus mais... Donc bref, c'est de la bave séchée. Faut absolument que je le lave mais là avec le temps hyper humide, déjà que le linge met 1000 ans à sécher donc c'est pas du tout, je sais pas, c'est pas du tout la prio. Bref, je voulais vous dire que au-delà d'essayer de lui sortir les jeux un peu au fur et à mesure, le soir j'essaye de ranger un peu, enfin tous les soirs on range son coin jeu pour que le matin ce soit, enfin déjà qu'on se couche et que ce soit rangé. Et j'essaye, vu qu'en ce moment il a, ouais il est, il est pas trop intéressé par ses jeux, enfin ça ne l'occupe pas très longtemps quoi, il s'impatiente vite, il a vite envie de venir voir ce qui se passe dans les placards et ce que je fais, mais ce qui est normal hein, c'est, enfin chaque bébé est différent mais surtout je pense que c'est aussi une phase comme tout. Du coup j'essaye de sortir des trucs un peu différents tous les, pas tous les jours mais j'essaye de tourner, donc dans cette panière et dans les caisses là je range un peu, je re-range un peu les trucs et là je lui ai sorti des nouveaux trucs, enfin des nouveaux trucs, des trucs qu'il a déjà vu mais qu'il a pas vu depuis longtemps, genre ce petit train, j'ai ressorti aussi ce petit bateau qui est mignon, j'ai ressorti ce truc qu'il adorait et là il était rangé pendant je sais pas combien de temps donc peut-être que ça va l'intriguer. Je lui ai fait tout à l'heure un coin avec un petit coussin là pour lui montrer qu'il pouvait lire ses livres dans ce petit coin. Ça, il a trouvé ça marrant de voir qu'il pouvait faire comme maman et tout ça. Donc je lui ai laissé le petit coin avec le coussin. Et là je lui ai sorti un album photo que ma mère lui a fait avec des photos de la famille. Il adore. Je lui ai montré l'autre jour et c'est vrai que je l'avais re-rangé. Donc là je l'ai mis là. Comme ça demain matin il va pouvoir le regarder tout seul et voilà, j'essaye un peu de tourner pour qu'il s'occupe un petit peu tout seul, qu'il puisse un petit peu explorer tout seul pendant que je range, que je prépare le petit-déj et tout ça quoi. Le retour de la petite robe Jeanne Mille que j'ai depuis super longtemps, que j'ai aussi en blanc, que j'ai beaucoup porté en enceinte justement, la blanche, quand c'était l'été. Et celle-ci, je l'avais pas mal portée aussi au début de ma grossesse, quand j'avais pas encore un gros ventre, mais que c'était l'hiver. On est le lendemain matin, donc on est lundi. Romain va pas tarder à arriver de l'aéroport. Lazare est couché pour une petite sieste, il a un petit peu mis du temps à s'endormir mais là il dort donc ça va être un petit peu en décalé parce qu'il est déjà midi là presque, donc ouais il s'est endormi tardivement donc c'est pas grave, je vais sortir ces trucs pour le déj. Du coup je voulais juste clôturer le vlog ici, merci d'avoir suivi ce petit week-end avec moi même si c'est posté en décalé mais bon, d'avoir regardé jusqu'au bout on va dire, j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, à très bientôt.